dans l'immensité de la steppe de Mongolie, une grande yourte de feutre blanc. Dans la yourte, une grand-mère, comme toutes les grand-mères du monde, inquiète son petit, son souk n'est pas rentré et il fait nuit déjà. C'est son pas, ou elle le reconnaîtrait entre mille. Oui, c'est lui, mais son pas est pesant ce soir. Alors vite, elle ouvre la grande porte du sud et elle l'aperçoit à la clarté blafarde de la lune. Il s'approche, il est chargé. Un petit cheval, blanc, tout moucheté de noir. Maman, cheveux blancs. C'est comme ça qu'on dit mamie là-bas. Maman, cheveux blancs, regarde, je l'ai trouvé. Ni père ni mère pour s'occuper de lui, il était tout seul. Les loups l'auraient mangé, alors je l'ai pris. Je peux le garder, dis, je peux le garder, je peux dormir avec lui. Entre, il fait nuit déjà. Demain, tu lui construiras un enclos. Et c'est ainsi que l'enfant s'est endormi contre le poitrail chaud du petit cheval. C'est ainsi que petit cheval s'est endormi, les naseaux dans la tignasse de l'enfant. Et depuis cette nuit-là, ils sont devenus inséparables. Souk a grandi. Petit cheval a grandi. On l'appelait plus petit cheval d'ailleurs, on l'appelait Chagang, le blanc. Ils allaient garder les troupeaux tous les deux. C'était leur travail. Mais ce qu'ils aimaient tous les deux, c'était courir dans la steppe, ivre de vitesse, de liberté, de grands espaces. Est devenu un grand jeune homme. Chagang, un fier étalon. Il faisait l'admiration de tous. Tous les nomades de voisinage disaient à Souk, ton cheval, mais c'est Jimor, le cheval du vent. Un jour, un cavalier est arrivé de l'ouest. Il annonçait que le Khan organisait une course. Sa fille pour le vainqueur. Tous les chefs de clan étaient sur les rangs, bien sûr, mais tous les braves qui voulaient se joindre à eux étaient les bienvenus. Alors, les amis de Souk lui ont dit,
Mais vas-y, vas-y, c'est toi qui vas gagner. C'est sûr, avec ton cheval extraordinaire. Je connais même pas trop les courses. Même, déjà pour la grande fête des mamas, Luna Adam, il n'aimait pas trop. Lui, ce qu'il aimait, c'était chanter, courir dans la steppe. Mais ils lui ont dit, c'est toi qui vas épouser la fille du Khan et qui sera notre Khan après. Vous me voyez bien comme chef de guerre. Ben non, pas comme chef de guerre. Tu seras notre Khan chanteur et tu nous apporteras la paix. Alors il s'est laissé convaincre. Il a rejoint la ligne de départ. Il a vu arriver tous les autres cavaliers. Il en venait de partout. Qu'ils étaient beaux, tous ces fiers mongols. Certains venaient de la taïga, d'autres de l'Altaï, d'autres du Grand Gobi. Oh, tous ces descendants de loups bleus, magnifiques sur leurs chevaux. Certains portaient la fourrure de la panthère des neiges, d'autres avaient des arcs de cornes, des flèches ornées de plumes de vautours. Quel spectacle inouï! Tous se sont alignés et au coup de fouet du Khan, ils ont pris le départ dans un grand cri de la steppe, dans un nuage de poussière. Chagang et Suke ont essayé tout de suite de prendre la tête. Ça n'a pas été facile, tous les coups étaient permis. Ils le savaient bien, ils ont reçu des coups de fouet à droite, à gauche. La chemise était lacérée, le sang perlait sur les bras de Suke. Mais voilà qu'ils ont réussi à prendre la tête de la course. Oh, la course, elle a duré des heures et des heures. Certains abandonnaient, d'autres tombaient. Et puis, ils ont réussi à se dégager. Ils ont gagné. Alors tous les deux sont allés jusqu'à la tribune du Khan et de sa fille pour les saluer respectueusement. Mais le Khan était courroucé. Ma fille est pour un chef de clan, pas pour un nomade berger. Et cet étalon magnifique, tu l'as volé, c'est sûr, qu'il rejoigne mes écuries. Bon, certes, tu as bien couru, alors prends cet argent pour le prix de ta course et va garder tes bêtes. Alors, Suke a senti la colère, mais la fureur monter en lui. Il a redressé la tête et il a dit, je suis fier d'être un éleveur. Ce cheval est à moi, il obéit. À nul autre. Il compta ramasser de l'argent qui vient très certainement d'un pillage. Il faudrait me prêter bien de la pauvreté. Alors, le Khan furieux a appelé ses gardes. Les gardes se sont emparés de Suke, l'ont fouetté à mort, l'ont laissé visage contre terre. Quelques heures plus tard, la horde était partie, avait levé le camp. Ce jour-là, par la steppe, allait un vieil homme. C'était un vieux chaman, avec son aigle sur l'épaule. Il avait aperçu le nuage de poussière, s'était dirigé par là. Son oiseau lui avait indiqué le corps de Suke. Quand il l'a trouvé, il a invoqué Tengri, le ciel, a chargé le corps du jeune homme sur son cheval. L'oiseau a indiqué le chemin de la yoke blanche. Longtemps, ils ont marché. Pendant ce temps-là, le Khan avait fait installer son camp, il avait marié sa fille à un chef de guerre, et pour les faire
festivités, il avait voulu monter le bel étalon, nouveau dans son écurie. Il n'est pas resté dessus longtemps. Tchagang l'a mis par terre. Il s'est fait mal, mais surtout, c'était la honte. Alors, il a crié « Garde ! Garde, tirez ! Tuez-le ! Tuez-le !» Les arcs se sont tendus, les flèches sont parties. Tchagang a été une cible vivante, tout hérissée de flèches. Il a couru, couru, couru par la steppe, avec pour seule image en tête le visage de son ami, la yourte blanche. Le chaman a rapporté le corps de Souke à la yourte de la vieille grand-mère qui attendait. Là, il a à nouveau invoqué Tengri le ciel. Il a endossé sa cape de petits miroirs et de clochettes qu'il a agité. Et puis, il est descendu le long de l'arbre de la vie jusqu'aux racines du monde. Les 9 paliers, les 9 matrices de la terre, il les a passés. Il est arrivé à l'esprit marmotte, il a retiré l'âme de Souke. Il a remonté les 9 paliers jusqu'à la yourte. Là, il a pris son grand tambour. Celui qui marque le cœur du monde, qui marque le cœur des hommes, le cœur de Souke. Le jeune homme est resté encore 2 jours dans la fièvre. Et puis il a entendu les pas de son cheval, les pas de son Tchagang qui courait. Alors, faisant un grand effort, il est allé ouvrir la porte juste pour recueillir son cher ami, son cher Tchagang qui s'effondrait, rendant son dernier souffle à la steppe. Souke a beaucoup pleuré. Souke a beaucoup chanté ces chants incroyables, le Ourtindou, le chant du peuple mongol. Et puis Souke s'est endormi. Dans son sommeil, il a vu son Tchagang, beau, serein, la robe brossée, qui lui disait: ma peau, prends mes os, prends mes crins, mes soies pendant que l'âme y est encore, et fais-toi un instrument de musique que tu caresseras, et ainsi c'est ma musique qui maintenant courra par la steppe. C'est ce qu'a fait Souke. Une caisse en trapèze, un manche sculpté de la magnifique tête de son cheval. 2 cordes en crin torsadé et un archet. Ainsi est né le Morin court, la vielle à tête de cheval. L'instrument qui accompagne les joies et les peines du peuple mongol. Il y en a une dans chaque yourte. C'est l'homme qui la joue. La femme joue plutôt la sitar. On m'a même raconté que lorsqu'une chamelle a du mal à mettre bas ou à s'occuper de son petit, on apporte Morin court, on en joue pour lui redonner force et courage. Confiance dans la vie.